They've all been executed. You shouldn't even be there. Why? Why did they do that? Your son is here because he disobeyed orders. He was scared and ran off. We were about to leave anyway. That's enough. Too many rats under there. I can't get through without distracting them. No better than them rats. Help us. Go pray for your son. And while you're at it, pray the Inquisition get you out of here too. For him. Oh, it's sticky. What was it? You're the ones behind this mess again, aren't you? So there's nothing here. All right. First time was already too much. Let's go. I made it. You've been mistaken again. Oh, but I'll never forget this smell.
curiosity. See? Keep going. The cemetery. It's on the way. I really don't want to go through there. Locked. If only Melly was here. Come on, there has to be another way to get in. The Inquisition must have put it here. Looks like it pivots. Clever. The Grand Inquisitor doesn't do things by halves. Not bad. Not bad at all. Come on, mate. Give me a few coins at least. No! Must have something. Something worthwhile. Everyone's got a bit of treasure. Come on, Amicia. Do something. Come on. What? Hey! Devil teach you. A window. Perfect. Let's get out of here. Doing here? I promise you, tonight we shall dine like kings. But the feast isn't on your plate quite yet. No! Go, Leon! Don't lose the scent! This sunshine won't last long. We're lucky to be in this house. Mother? Shh! You are to stay here with your brother. Move! Come on! I won't ask again. Where is your son? Amicia! You have no idea. Leave while you still can. Kill the sister! Take the boy alive! You must protect him. Are you stupid or what? I am not stupid! I know you, Amicia de Rome. Amicia, you killed him. I didn't want to. There's something in the ground, Amicia! I'm sorry, I'm sick. No, no, no! Lucas? Yes? What does he have in his blood? There's an old story. It tells of the Prima Macula. The alchemists say it was the first evil, and that it silently travels in the blood of certain families. But something happened.
the Great Break, and the Macula awoke in Hugo's blood. But what will it do to him? The Macula cares for neither good nor evil. It evolves with its host. They change things. The world. You know, your mother and Laurentius were trying to help your brother. But they failed. No. I think they just ran out of time. This is it. Hugo, wake up. Come on, we'll walk from here. It'll warm you up. If we follow the aqueduct, we should arrive at Chateau d'Ambrage before nightfall. What's that noise? Nothing. It's just frogs, Hugo. Frogs? He seems well. Let's keep our fingers crossed. Aren't you cold? A little, yes. Hugo doesn't seem to mind. He's keeping himself warm. Yes. Come back! But he's too far for my liking. Hugo, where are you going? An English shield. Where did you find that? Over there, lying on the ground. Listen, Hugo. Put that down. It's not for children. Ah, oh, you're no fun. Come on, let's go. Do you smell that? Oh, it stinks. Yes, it's horrible. Amicia, do we have to walk on them? I know, Hugo, but we don't have a choice. Do you think we are hurting them? Just keep moving, Hugo. Come on. The horse. Lucas? I don't know. Oh no! The rats! Keep away from them! Amicia, they're everywhere! Hundreds of them! I don't believe it!
are people over there. Those aren't soldiers. What were they doing? Those were looters, looking for things to steal. But why? To survive, probably. Of course. It's a weapon of war. Hugo, can you help? Yes. I can do it. Careful. I did it. Very good. You can come now. Well done. Be sure they heard that. What was that? Huh? Something's going on over there. Guys, it's a real fist. Oh no, soldiers!
Hey? Probably best go check. Oh no. We need to push. Let me help. Mind you don't get burned. In the mud. We have to leave it here. Come on. That dummies. Don't look. Stay behind your sister, Hugo. Plague Tale Innocence est un jeu qui globalement va mettre le joueur dans la position d'une jeune fille qui s'appelle Amicia, en pleine France du XIVe siècle, et qui va se retrouver projetée sur les routes de France dans une des pires périodes de l'histoire de l'Europe, qui est celle de la peste noire, avec à charge la vie de son petit frère de 5 ans, qui va être une nouvelle responsabilité pour elle. It's me, your sister, Amicia. We haven't seen each other much. Dans un contexte où la menace est partout, tout le temps, déjà parce qu'il y a l'Inquisition qui est à leur trousse, mais aussi parce que les rats sont une menace environnementale extrêmement présente qui peut frapper n'importe quand. Le message est assez vite délivré aux joueurs, c'est « il faut que tu prennes soin de cet enfant parce que sans toi, il meurt ». Well, I'll be damned. Here's the rest of them. What? No! Wait, we're just looking for someone. And you found him. Comment un enfant peut grandir face à ses
à cette surexposition à la violence. Quel va être l'état d'esprit d'Hugo à la fin du jeu? Listen to me. Breathe. On va explorer cette thématique-là pour Amicia, de jusqu'où elle sera prête à aller pour qu'ils survivent tous les deux. On part d'un environnement, somme toute, assez naturel, en tout cas pour l'époque. Et évidemment, d'enfants qui n'étaient absolument pas préparés à devoir se battre pour leur survie. Tuer des adultes, c'est pas des sujets anodins. Ça nous permet de faire quelque chose qui a une identité très marquée. Alors peut-être qu'il plaira pas à tout le monde, c'est pas grave, on sait qu'on peut être clivant. On a voulu vraiment accentuer ce contraste entre nos personnages, qui sont donc assez fragiles, et le monde qui est dur et cruel, en fait, qui les entoure. Et on voulait aussi que ça passe, notamment donc, par les visages. C'est ça qui est intéressant avec Amicia, c'est qu'on voit qu'elle a été, d'une certaine manière, épargnée au début par la vie. Elle est issue d'une famille noble, et on voit que ses traits sont fins et doux, et c'est ça qui va vraiment venir contraster, en fait, avec ce qui suit. De la même manière, Hugo a, lui, en plus, une innocence supplémentaire avec son jeune âge. My parents tried and now they are both dead. Leave me alone. Et tout au long de leur parcours, Amicia et Hugo vont faire la rencontre d'autres enfants qui vont venir les aider, qui vont venir leur apporter un soutien parfois logistique, parfois narratif, qui vont leur permettre d'aller plus loin dans l'histoire et découvrir de nouvelles choses. Saltpeter and alcohol. It burns your face and melts steel. Lucas est un apprenti alchimiste, donc il va peut-être nous apprendre des nouvelles recettes, des nouvelles choses qui vont nous permettre à Amicia d'utiliser sa fronde de manière différente. That should help. Les orphelins, en fait, sont apparus très tôt dans le concept et participent à l'exploration du monde de l'enfance. On a beaucoup travaillé pour essayer de retrouver... Rapidement, on s'est dit quel est le genre de période qu'on voit pas si souvent dans le jeu vidéo, ou en tout cas qui nous permettrait de nous exprimer, de l'exprimer un peu différemment. Donc il se trouvait que c'était le Moyen-Âge. Nos héros visitent plusieurs univers plus ou moins durs. On a cette vie noble, seigneuriale. Derrière, on va avoir la réalité d'un champ de bataille, on va avoir la réalité d'un village du 14e siècle, on va avoir l'Inquisition et sa structure hiérarchique. He is with us. Very good. Ouais, au niveau des environnements, en fait, là encore, on a voulu rester le plus cru possible et se baser sur, en fait, une de nos forces en tant que Français, en tant que studio français et en plus basé à Bordeaux. Tous les jours, on marche dans des rues qui ont, pour certaines d'entre elles, été construites à l'époque du Moyen-Âge. Nous, on voulait rendre justice à cette architecture avec des rues sinueuses, des maisons pas droites, des choses rafistolées et avec des matériaux très simples. La représentation principale qu'on a de ces villages, c'est typiquement des maisons à colombage avec des encorbellements. C'est le truc classique qu'on voit partout. Là, ce qu'on a essayé de faire justement, c'est de casser ça. On a plein d'exemples, encore une fois, de villages dans la région qui transpirent le Moyen-Âge d'une certaine manière, sans avoir tous ces archétypes assez convenus. On a fait énormément de recherches dans ce sens-là pour donner vraiment la saveur, si je puis dire, le parfum de cette époque-là, que ce soit dans l'architecture, dans le rendu de l'univers, où, par exemple, on revenait très souvent à cette notion de, à l'époque, par exemple, les rues des villes étaient extrêmement sales, la saleté était partout, les notions d'hygiène n'étaient pas du tout celles d'aujourd'hui. Au niveau de la lumière, de la même manière, on a pas mal travaillé à base de tableaux de maître pour essayer de récupérer cette espèce de lumière naturelle le plus possible, éviter d'avoir l'impression d'avoir un spot quelque part qui éclaire la scène, garder des sources de lumière très crues pour retrouver une touche à la Vermeer, par exemple, Bruegel, on pensait à ça aussi. Claude Lorrain, par exemple, c'est un peintre du XVIe siècle. Il y a une couleur, il y a une tonalité dans ses peintures avec des ciels un peu orangés et doux qui apportent un romantisme en fait à l'image, une douceur, quelque chose d'un peu onirique qu'on voulait avoir dans notre jeu.
Ce que j'adore dans ce qu'on a fait jusqu'ici, en tout cas, c'est qu'en réalité, c'est très très proche de la vision initiale de ce qu'on voulait faire en termes de mood et de veine et de sentiments. On s'adresse à un type de joueur qui a envie de vivre ce type d'expérience. Et de ce fait, en réalité, on a une énorme liberté. Du coup, ça nous donne l'opportunité de faire un jeu encore plus proche de ce qu'on pense. En tout cas, une partie des joueurs vont aimer et recherchent aujourd'hui. On a fait aussi un jeu auquel on aurait aimé jouer nous-mêmes, là où on se situe dans notre carrière. Égout, c'est un peu la face cachée de notre monde. Le rat, il vit sous nos pieds, il vit dans les égouts, il est vraiment dans l'univers urbain, en tout cas cette créature qu'on craint de voir parce qu'elle nous rappelle à la saleté, même à cette notion de maladie. On a fait passer ça au premier rang dans notre jeu en disant, pour nous, les rats sont littéralement la peste. Rats are dangerous but disorganized. Inquisition, however. En fait, l'Inquisition, c'est ceux qui ont le plus de connaissances quant à la provenance des rats. Et qui sont le plus intéressés aussi à essayer de l'utiliser à leur propre fin. Leur équipement est conçu pour justement pouvoir écarter les rats avec la lumière. Il y a eu tout un challenge de arriver à montrer nos rats alors qu'ils sont dans l'obscurité, eux-mêmes étant sombres. On a joué sur différents leviers, on a joué sur tout simplement la nature des sols, essayer d'éviter les sols trop sombres par endroit. On a essayé de jouer également sur la brume qui viendrait découper en fait les silhouettes des rats. Comme quand on voit un animal sauvage dans la forêt avec une lampe et ses yeux qui s'illuminent, on essaie de reproduire un petit peu cet effet sur les yeux des rats pour les rendre visibles justement dans l'obscurité. Une des particularités du studio, c'est qu'on utilise notre moteur interne depuis le début, en fait. Et c'est ce qui nous a permis, sur A Plague Tale, de dédier réellement une partie de l'équipe Engine à rendre ces hordes de rats réellement organiques. Les rats, c'est avant tout une grande prouesse technique. On a 5000 rats simulés à l'écran en simultané, qui ont chacun leur propre IA et leur propre behavior avec une conscience de horde, donc qui vient propager l'information autour de la horde, qui va venir se déplacer naturellement dans des décors souvent très chargés. You mustn't touch the walls. It's burning my throat. I know you, Amicia Darun. We have been watching your family for quite some time now. I shall organize a hunt. Go and find your mother. Il faut réussir à accepter le fait que le processus créatif qui tourne autour de la création d'un personnage, d'une histoire, de l'expérience gameplay qui vient avec, tout ça, ça se nourrit, il y a des allers-retours. Et en fait, le chemin du succès, c'est pas une trajectoire linéaire. Au-delà d'avoir quelque chose à prouver, on a envie de se battre pour offrir la meilleure expérience possible. En fait, on ne veut pas avoir de regrets sur ce jeu-là, on a envie d'exprimer le fond de nos tripes pour que le joueur pas dans main ressente que c'est avant tout de l'amour qu'on a mis là-dedans, même si les sujets qu'on aborde sont horribles et sombres. C'est issu de l'amour de 40 personnes.
judged you, and I am your executioner. What's that? It comes from the rats. Don't touch it. The Inquisitor will give us a reward if we catch the whole family. Get him off! Get him off! I don't like this. Lee, what's that noise? Stay close. Oh, no, no, no. Amicia, stay close to me. I think we're in that room. Hugo, no! Run!